Sans attendre, retrouvons Stéphane sur la corniche qui domine la mer. Il fait déjà beau, c'est un temps pour profiter. Ta-ta-ta, pas de salisette. Il faut sans tarder te mettre en chemin et gagner le nouveau lotissement où vivent Daniel et Elisabeth, qui regrettent un endroit du jardin où il ne se passe rien. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ça va? Très bien. Bonjour, très Daniel. Bien. Alors racontez-moi, est-ce que c'est de cet endroit dont il s'agit? Oui. C'est tout à fait ça, tu vois. Tu as ce grand mur qu'il faudrait animer un petit peu. Parce que tu vois, de ma cuisine, je ne vois que ce grand mur. Ouais. Et ensuite, enlever un petit peu ce vis-à-vis, si c'est possible. Je m'étais dit peut-être qu'en mettant plus de peau, cacher le mur, mais j'avais peur que ce soit trop présent. Tout analysement de peau, j'avais peur que ça fasse. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait une tentative de planter des fargessias. Et on pensait effectivement faire une jolie et un peu vive, tu vois, mais en fait, ils ont un mal fou à pousser. Ah, vous avez pris des fargessias pour pas qu'ils courent partout. Exactement. Sauf que la limite de hauteur, c'est la hauteur de la fenêtre, donc ça marche pas. Ouais. Deux, ils ont passé l'hiver, ils se sont fait cramer les feuilles, enfin, ouais. Tout est brûlé, c'est dommage. Mais bon, c'est pas la solution, et puis c'est trop systématique, quoi. Mais j'aime bien l'idée de la chicane, comme ça. J'aime bien l'idée d'un paravent, comme ces espèces de paravents qui se déroulent, comme ça. Et je me dis que là, il y a quelque chose de senti, parce que je suppose que... En fait, vous ne pouvez pas planter devant les... Ah non. Non. On ne peut pas planter au pied du mur du voisin comme ça. Non. Mais j'aimerais bien que ça s'anime un petit peu quand même. Ben moi, je vois à peu près ce qu'on peut faire, quoi. Donc, en fait, je me mets là et puis j'anime. Je crois que je vois à peu près où on va. Oh. D'accord. Super. Y voir à peu près, c'est une chose. Faire un dessin précis, c'est beaucoup mieux. Alors, on va commencer par la chicane. Enfin, l'espèce de serpent de plantation qui se déplie comme un paravent. On va enlever les fargessias et à la place, pas au même endroit, en donnant un peu plus d'ampleur, on va installer des arbres, tantôt persistants, tantôt caducs. Et j'ai pas envie d'avoir une haie. C'est pas l'idée, non. Du tout, non. L'idée, c'est d'avoir une série de colonnes, de façon à ce qu'il y ait de l'air entre les deux. Très bien. J'ai des cyprès d'Italie. Donc, on a cette forme complètement fastigiée, comme ça, qui sont comme des colonnes toutes fines. Ici, j'ai un Ligustrum texanum qui résiste très, très bien au vent. J'avais envie de verticales, il fallait des verticales. Oui, absolument. Des verticales qui viennent du sol. Oui. En alternance avec ça, j'ai envie de charme. Carpinus. Ça marche très bien. Le charme, on fait ce qu'on veut avec. C'est une plante pour faire des haies. Et donc, maintenus de cette façon-là, ils auront la même silhouette, comme ça, colonnaire. Et tout ça résiste au vent. Et puis, au premier plan, ici, j'ai envie d'un pommier, d'un malus. Ah bon? Mais oui. Mais pourquoi pas? Un malus qui fait des fleurs et qui fait des jolis petits fruits décoratifs. Ah. Très bien. Donc, premier plan, ici, voilà. Donc, tout ça planté en pleine terre, bien entendu. D'accord. Mais avec le gravier autour, dans le même esprit que ce que tu as fait. D'accord. Là. Donc, le rosier qui est ici va venir contre la palissade parce que j'ai vraiment envie de dégager l'écran. Et puis, j'ai voulu m'inspirer du petit banc, là, avec des curiosités dessus. Et puis, peut-être même de ce bois flotté qui est là comme une sculpture sur le gravier. Donc, on va faire une table basse. Non, on va faire une console basse qui consiste en deux traverses de chemin de fer qui seront habillées avec de la canisse d'osier. Très bien. Le pied, ce seront des buses. Et ces buses sont plus larges que le plateau lui-même. D'accord. Ça nous permettra de planter à l'intérieur des clématites dans chacun des pieds qui vont sortir de la table. Et là-dessus, on pourra installer, poser des objets décoratifs. Et puis... quelques plantes dans des jolis pots qui sont soit des aéoniums ou des petits conifères comme des bonsaïs. D'accord. Très bien. Est-ce que le principe vous convient? Tout à fait. C'est très bien. Ah, tout oui. À fait. Ouais. Très, très bien. Super. Il y aura de grands arbustes, du gravier qui va et revient, des fosses de plantation, de la fumure, quelques conseils de taille, la construction d'une console brutaliste, adoucie par des clématites, des plantes mises en scène comme des curiosités, des objets, des lanternes venues d'ailleurs, et le mot de la fin. Il y a de la présence, mais c'est pas encombrant. Et puis j'aime beaucoup tous ces dégradés de verre. Après un tour sur la corniche, Stéphane a rejoint Elisabeth et Daniel. Il déplore un endroit resté vide. Après quelques explications sur l'envie d'oublier la rue, le mur blanc bien nu, le dessin propose une chicane plantée d'arbres et une console inédite. Est-ce que le principe vous convient? Tout à fait. C'est très bien. Ah oui.
les plantes sont mises en place, ce n'est pas si simple que cela. Voilà, moi je voudrais là. Quelque part par là. Donc là, est-ce que ça vous convient? C'est magnifique. Il y a une fluidité comme ça avec le cheminement en serpentin. Le regard doit continuer de circuler. Mais par contre, là, il y a les deux cyprès qui sont l'un devant l'autre. Mm-hmm. Et ça, ça va pas parce que ça fait une ligne droite et on n'en veut pas. D'accord. Il faut que tout ait l'air un peu en désordre, alors ça l'est pas du tout. Donc, une fois qu'on est d'accord avec ça, on va enlever les graviers, faire des trous, okay, installer les plantes, remettre du géotextile pour pas qu'il y ait rien qui, d'adventif qui pousse, que ça reste nickel. Puis voilà, une fois que tout sera en place, on pourra passer à la suite. D'accord, très bien. Parfait. Les graviers sont écartés du pied des fargessias qui sont déplantés. Les fosses sont rebouchées, tassées, avant d'être recouvertes à nouveau par les graviers. À l'endroit des arbustes, de nouvelles fosses sont creusées. La terre extraite est enrichie de cornes broyées à diffusion lente et de fertilisants à effet immédiat. Allez, zou, là, ça va. Toc. Les arbustes sont plantés. Un voile géotextile posé à leurs pieds empêchera la pousse des adventices. Voilà, il faut lui garder cette... Quand les choses s'en vont comme ça, ben non, pas aller là, donc tu les coupes. Puis d'accord, l'idée, c'est que ça reste une colonne. Okay. Mais c'est là qu'on va aller voir comment ça se gère autrement. D'accord. Là, ça va être un peu différent. Parce qu'on a un charme. Les charmes, ce sont des arbres qui se mènent exactement comme on a envie qu'ils se mènent. Quand tu veux une colonne, tu prends un tronc principal et puis les branches sont latérales, comme ça. Et tu te dis, je veux une colonne qui fasse 60 cm de large. Donc, je vais couper tout ce qui dépasse 60 cm. Tu vois, 60, c'est là. Et à n'importe quel moment, à n'importe quelle période? Ah non, alors, la taille idéale du charme, c'est fin juillet. C'est la garantie d'avoir des feuilles qui restent sèches, mars et sang, sur les branches pendant tout l'hiver. Donc t'as pas un machin qui est tout nu et devant ta fenêtre, il se passe quand même quelque chose. Et ce qu'il faudra faire ensuite, c'est quand il aura atteint la hauteur du garage du voisin, eh bien de le limiter. Clac, tu coupes. Clac, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Parce que je trouve que ce qui sera amusant dans cet endroit, c'est que rien ne dépasse. C'est toujours bien d'avoir des horizontales en l'air. Donc ça fera une espèce de faux plafond. Tu c'est un peu bizarre comme idée, mais vous verrez, ça marche. Très d'accord. Bien. Un, deux, trois. Voilà, le stock. Arrivent quatre buses de ciment. Elles sont superposées deux par deux, remplies de terre et de terreau, puis plantées d'un épais fagot d'osier au pied duquel une clématite est installée avant d'y être conduite. Les traverses de chemin de fer sont posées sur les buses qui deviennent ainsi les pieds de la console. Des bandes de canis de saule sont déroulées tout autour pour faire disparaître le béton et adoucir l'effet. Une série de pots est préparée, tous sont percés, drainés avec du gravier afin d'être plantés d'une jolie variété de succulentes et de quelques conifères nains. Elisabeth, oui? Moi j'aime bien l'idée de ces consoles de jardin. D'abord, c'est, tu vois, ici, dans un milieu minéral, on n'a pas envie qu'il y ait de choses au sol, mais on a envie que depuis ta fenêtre, tu puisses voir des choses. Donc, de ce côté-ci, qui est un peu plus éclairé le matin, on va mettre les plantes succulentes, les aéoniums, les crassulae, les conifères, eux, c'est un peu l'idée de bonsaï ou d'arbres nains, tu vois, le juniperus. Il a les fleurs qui sont en train d'apparaître et ses fruits qui ne sont pas encore tombés de l'année précédente. Donc là, ils vont avoir un petit peu plus d'ombre qu'au bout de la table, qui est vraiment très exposée. En même temps, ça veut dire pour eux, c'est deux arrosages la semaine, un peu d'eau, hein, comme quand vous arrosez les bambous et les ondes derrière. Oui. Et puis quand il faudra aussi mettre un petit peu d'eau là-dedans, hein, pour les clématites. Et eux, ils vont rester là toute l'année. Comme ça, au moins, tu es sûr d'avoir un décor permanent. D'accord, il n'y a que les succulentes que... qu'il faudra rentrer. À partir du 15 octobre. D'accord. Les objets du bout du monde, chers à Elisabeth, sont mis en valeur sur la console. Une sorte de nasse décorative complète le tableau. Sur le banc à côté, une collection de succulentes minuscules est disposée. Quelques lanternes et... Elisabeth, Daniel, c'est fini. Wow. Voilà. C'est super. T'as des choses à regarder de ta cuisine, toi. Je vais pouvoir m'installer là, un livre. Oui. Un petit café. Oh, c'est splendide. Il y a de la présence, mais c'est pas encombrant. Et puis j'aime beaucoup tous ces dégradés de verre, là. Ce pommier qui est splendide. Très beau. Avec cette console un peu basse, on a tenté quelque chose d'un peu inédit, non? Ça fait un petit peu fou, là. Ça, j'aime beaucoup. Ouais? Ah ouais. C'est un peu... Ah, j'adore.
Je trouve amusant de voir des clématites qui poussent dans des pieds de table, quoi. Oui, c'est très vraiment, beau. C'est superbe. C'est une réussite. Superbe, superbe. Mmh. Tout ce coin qu'on n'habitait plus, en fait. Oui, et tout ben, ça, ça y est. On n'habitait plus, ben voilà. Ça y est. C'est un paysage. Oui. Oui. On ne voit plus les voisins. C'est on parfait. Est bien. Bon, très ben bien. Super. Voilà. Merci, merci beaucoup. Infiniment. Avec merci. Plaisir. Merci, merci, merci Stéphane, c'est parfait. Merci. On est très content. Très, très content. En une journée, ce petit endroit qu'Elisabeth et Daniel n'habitaient plus a pris une toute autre allure. En évitant un quelconque mur végétal trop compact, Stéphane est parvenu à éloigner la rue trop présente jusqu'alors. Des arbustes d'essence différentes, tous travaillés en colonne, laissent respirer l'espace et distrairont le regard tout au long de l'année. Face à la fenêtre de la cuisine, la console massive est devenue le support d'un cabinet de curiosités composé de plantes et d'objets surprenants. Un endroit pour lire, se reposer et rêver, c'est exactement ce qu'il fallait.